Bonsoir Aimable, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, c'est la commémoration du 24e anniversaire du génocide perpétré contre les Tutsis. On se souvient également des opposants politiques qui ont péri durant ce génocide, dont mon père Boniface Ngulinzira. Alors, tu m'as demandé de parler de mon père. Je sais beaucoup en parler en tant que papa, parce qu'il a été tout d'abord mon papa. Mon père, c'était un bon vivant. C'était un père qui est très, très présent dans la famille et qui aimait beaucoup les enfants. Donc, les quartiers dans lesquels on a habité, beaucoup de voisins se souviennent de lui comme quelqu'un qui adore les enfants. Il aime bien inviter les enfants voisins pour venir à la maison, jouer avec nous, regarder la télé. En tant que personne, mon père est un bon vivant. C'est quelqu'un qui adore beaucoup rire, qui a beaucoup d'amis, qui adore rencontrer les autres. Et je pense que dans notre famille, cet esprit de bon vivant, on l'a gardé. Et c'est aussi quelqu'un qui déteste le mensonge. Donc nous avons vécu dans une famille qui n'aime pas le mensonge et qui se rend très très vite et très tôt qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas bien au Rwanda. Et c'est à ce moment-là, en fait, que mon père va s'engager dans l'opposition. Il va perdre son emploi avant de pouvoir se consacrer réellement à son opposition parce qu'il va être renvoyé à la présidence. Je me souviens encore du jour où il est venu à la maison et nous a dit que voilà, il ne va plus travailler parce qu'on l'a mis à la porte. Je pense que là, c'est là qu'on s'est rendu compte que les choses étaient sérieuses. Mais il va consacrer à partir de ce moment sa vie pour l'opposition. Donc il va fonder le parti politique avec ses amis, devenir ministre, négocier les accords. Et pendant ces négociations, même s'il est menacé, il reste un père présent. Et il reste franc et juste et bien avec lui-même. Et donc, il ira jusqu'au bout de son combat. Et ce que je pourrais dire aussi, c'est que c'est quelqu'un qui s'est beaucoup opposé à la haine ethnique qui a enragé le Rwanda, à la dictature du président Habyarimana. Et lorsque le génocide éclate, il n'est même pas question de lui demander s'il est pour ou s'il est contre. Il est tout de suite visé et nous sommes tout de suite visés et nous sommes visés avec des personnes qui sont innocentes, qui sont nées pour ce qu'elles étaient. Et c'est quelque chose qui secoue encore aujourd'hui notre famille. Et nous dire que voilà, que ce combat en une partie a échoué parce que les perpétrateurs de ces génocides sont venus à l'action, c'est quelque chose qui nous fait encore mal aujourd'hui. Et nous dire également que toute la communauté internationale nous a abandonnés, nous en avons été témoins à l'étau, c'est quelque chose qui nous fait très mal, nous dire que durant tout le génocide, nous avons erré à gauche, à droite, en entendant une radio qui appelait à exterminer des civils, des pères, des mères, des enfants qui se vantaient de les avoir exterminés. C'est quelque chose qui est très douloureux encore aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, j'ai tenu à donner mon témoignage pour dire ce que j'ai vécu et pour dire que nous allons continuer le combat contre le négationnisme, et nous allons continuer, malgré tous les découragements, malgré toutes les personnes qui veulent encore nous rappeler de nos blessures, mais d'une manière atroce, comme si nous avions mérité de mourir ou d'avoir subi ce que nous avons subi. Nous allons continuer jusqu'au bout pour leur dire, nous avons vécu ceci, nous ne sommes pas d'accord, et nous continuerons à nous battre contre la haine. J'avais 13 ans, j'étais une fille pleine d'avenir,
Mais comme notre famille était menacée, je me rendais compte de ce que c'était les réalités de ce Rwanda. Par exemple, moi, je n'ai pas pu aller, comme les autres enfants, étudier le catéchisme pour ma confirmation. Parce que normalement, dans un quartier, les enfants de mon âge peuvent aller seuls étudier le catéchisme. Mais moi, je ne pouvais pas le faire parce que j'étais, parce que ma famille était, était menacée. J'avais des amis, je pense que même encore aujourd'hui, quand j'ai témoigné, il y a des choses que j'ai refoulées en moi-même. Et j'ai posé des questions à ma mère qui connaissait tout, pour me rendre compte que finalement, on n'envenime pas. Finalement, on a tendance à défouler ce qu'on a vécu de pire, à nous dire que ça ne nous est pas arrivé. Et donc, en témoignant, je me suis rendu compte qu'à 13 ans, il y a des choses que j'ai refoulées en moi pour pouvoir me protéger et qui maintenant rebondissent à 37 ans avec ce témoignage. C'est le 11 avril, en fait, quand les militaires viennent le prendre. C'est à ce moment-là qu'on se sépare sans nous dire au revoir. Et pour lui, ce sera un aller sans retour, malheureusement. Donc c'est quelques heures après l'abandon dans l'étau. Nous n'avons pas eu beaucoup de chance. Nous avons voulu atteindre une famille que nous pensions qu'elle allait nous garder, mais comme c'était loin, nous n'avons pas pu atteindre cette famille avant que les personnes n'arrêtent mon père. Donc c'est la dernière fois que je l'ai revu le 11 avril 1994. Donc ils arrivent et ils lui demandent de s'identifier. Mon père refuse parce que je pense qu'il craint le pire aussi. Et je pense aussi que c'est son dernier désaccord en fait. Et c'est bien parce que pourquoi dire son nom pour des gens qui sûrement savent qui il est et qui viennent lui faire du mal. Et donc, il refuse. Et donc, c'est par la force qu'il va dire son nom, qu'il va dire, voilà, je m'appelle Boniface. Il donne d'abord son nom de baptême. Et par la suite, ils lui disent, mais Boniface qui? Et ils disent, Boniface Ngulinzira. Et quand il donne son identification, alors il lui demande de se lever et de partir. Et par la suite, nous ne savons pas si c'est vrai, nous continuons à faire nos recherches. Nous savons que avant d'être assassiné, il a dit à ses assassins que ce qu'ils étaient en train de faire au Rwanda était abominable. Et je pense qu'il aura été au bout de lui-même et je pense que il était craint par ce régime parce qu'il savait que mon père allait aller au bout de lui-même. Et le combat va continuer. C'est ce que je peux dire. Ça nous a beaucoup anéantis, perdre les nôtres. Mais ça ne nous a pas anéantis dans un sens de dire que nous abandonnons. Ça nous a anéantis moralement. Certains d'entre nous physiquement, mais aujourd'hui nous avons une force incroyable et nous nous étonnons aussi parfois de pouvoir dire, vous savez quoi finalement, on va continuer et on ne va pas se laisser faire. Donc j'ai parlé de l'étau parce que moi je suis une enfant de l'étau. Quand je suis née, maman était professeure de français et de Kinyarwanda à l'étau. D'ailleurs, aimable, je pense que certaines personnes de ta génération se souviennent de maman en tant que leur professeur. Donc l'étau, c'est vraiment, ça fait partie de notre vie. Par exemple, à la maison, quand les tantes cuisinent beaucoup, beaucoup de nourriture, une nourriture abondante, ma maman a cette impression de dire, mais vous avez cuisiné pour l'étau. Donc l'étau, c'est vraiment, c'est notre vie. Et d'ailleurs, nous habitons dans une maison de professeurs de l'étau. Et c'est par après aussi, mes parents vont chercher à construire leur maison à Kitchukiro.
Et donc, tous les quartiers que nous allons habiter, mon père va retourner à Kichukiro, acheter une terre là-bas pour dire, voilà, c'est dans ce quartier que je vais construire ma maison. Et donc, finalement, quand on retourne à Kichukiro, moi, en fait, à 13 ans, il m'arrive de rencontrer des femmes dans la rue qui me connaissent, parce que j'ai quitté très jeune à 4 ans, et qui viennent m'embrasser sans que je ne m'en doute même. Elles viennent et elles me disent « Mais qu'est-ce que tu as grandi? Tu ne nous connais pas, mais on te connaît. » Donc, c'est vraiment c'est un quartier qui nous connaît et qu'on connaît. Et nous dire, par exemple, le 3 avril 1994, nous avons été à la messe de Pâques avec papa et maman et tous les enfants à Leto, à l'église de Leto. C'est là que nous allions tous les dimanches à la messe. Et il retournait avec ses réfugiés, ses 2000 personnes, et y être abandonné, c'était comme si on anéantissait tous les repères de toute ta vie. C'était comme si on touchait à toute une bâtisse que tes parents ont mis en œuvre pour que tu puisses te lancer dans le monde des adultes. Donc c'est Leto qui était un havre de paix pour les enfants rwandais. C'est une école qui forme de jeunes, une école technique. Et tout d'un coup, elle va se transformer en un champ de l'horreur, en un abandon catastrophique. Donc tout d'un coup, maintenant quand on me parle de Leto, je pense à tout ça et je pense aussi à cet abandon, à ces 2000 personnes, à mon père, qui ont laissé leur vie à Leto. Et en fait, pour vous dire ce que je n'ai pas dit aussi pendant mon témoignage, en 2010, il va chercher à nous contacter. Donc, lors du procès Eto, il va s'approcher de nous, les mains tremblantes, et il va nous donner son adresse. Il voudrait nous parler, notre famille, mais nous refusons à l'unanimité. Nous pensons que s'il doit dire quelque chose, maintenant que nous avons un procès en cours, nous sommes en procès contre lui, il doit le dire à la justice. Nous ne voulons pas qu'il raconte à la justice qu'il était sous couvert de l'ONU, alors que c'est l'État belge qui leur a ordonné de partir. Et malheureusement, il est décédé. Et je ne vais pas vous dire que j'ai fait beaucoup de travail de pardon avec lui, mais j'ai encore quelques blocages pour ce qu'il a fait, parce que il n'avait pas à le faire. Et c'est quelqu'un qui va signer en fait notre mort et notre abandon. Et c'était lui qui était chef du contingent de Leto à Kichukiro. Donc s'il avait eu le courage de dire à Luc Marshall, qui n'est jamais venu sur le site, moi je reste avec mes hommes sur ce site, ce qui est arrivé ne serait jamais arrivé. Donc il porte une lourde responsabilité. Et voilà, et malheureusement il est parti et la justice se prononcera en son absence. J'aime beaucoup l'idée qu'au Rwanda maintenant il y a les Rwandais, parce que cette histoire d'ethnie était une histoire... Je ne voudrais plus jamais vivre dans un pays qui par exemple marque dans des cartes d'identité des gens vous êtes Hutu, vous êtes Tutsi, demande aux enfants dans des écoles de s'identifier. D'ailleurs, c'est une chose pour laquelle notre famille a été persécutée, et donc moi j'ai rejeté toute cette idée d'ethnie, d'ethnisation, de haine ethnique très 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 jeune.